sensibilisation des élèves ingénieurs et des jeunes ingénieurs aux objectifs de développement durable. Donc, c'est un domaine très vaste, mais nous sommes limités au programme à 4 interventions. Donc, cette initiative, on essaie de la pérenniser. Et donc, comme ça, ça devient récurrent. Chaque année, on revient avec des thématiques d'actualité pour sensibiliser les étudiants qui sont passagers à l'IEV. Alors l'UNESCO est très heureuse d'être partenaire de l'organisation de cet atelier, qui est un atelier de sensibilisation des jeunes ingénieurs et des étudiants sur le développement durable, qui est une notion aujourd'hui vraiment fondamentale pour toute la communauté internationale. Et aujourd'hui, nous allons aborder plus précisément les fondements éthiques de la notion de développement durable, et ensuite pour l'appliquer de ce qu'on appelle aujourd'hui Nexus Énergie Eau Agriculture, afin de montrer que dans tous les corps de métier en relation avec l'exploitation de ressources naturelles, eh bien, il y a un souci aujourd'hui éthique d'assurer le bien-être des générations futures. Et donc nous espérons que cette expérience pourra entraîner d'autres formes de sensibilisation des étudiants également. Ma présentation dans cet atelier qui est dédié aux objectifs de développement durable donc serait de déterminer, si on veut dire, l'appui technique que le DJI par exemple procure pour le gouvernement du Maroc, quelle est sa valeur ajoutée pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc éventuellement, tous les projets que nous menons au Maroc sont des projets qui sont alignés avec les priorités nationales et avec les engagements internationaux du pays en termes de contribution nationale déterminée ou en termes d'objectifs de développement durable.